Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on peut fabriquer un petit papillon avec un rouleau de papier toilette ou un rouleau de papier sopalin. Alors, pour faire ce petit papillon, nous avons besoin de couper ce rouleau de sopalin ou de papier toilette en bandes d'à peu près 1 cm. Donc, il faut qu'elles soient égales, de préférence, c'est plus facile. Une fois que vous avez vos 6 bandes, il vous suffit d'en prendre une qui va servir en guise de corps. Donc vous pliez bien votre petit morceau de carton. Et ensuite, on va procéder au collage des ailes. On prend notre deuxième petit morceau de carton. On met un petit peu de colle. Si vous avez de la glu, ça sera beaucoup plus facile parce que ça tiendra mieux, mais moi je n'avais que de la colle en bâton. Voilà. Je colle ma première aile à peu près au milieu du corps et j'appuie très très fort. Les enfants, vous pouvez vous faire aider par papa et maman parce que si on n'appuie pas suffisamment fort, ça ne va pas coller. À moins que vous ayez de la glu. Quand on a collé sa première aile, eh bien, on va procéder de la même manière avec la deuxième. Et on appuie très très fort encore. Vous pouvez compter jusqu'à 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. Lorsque vous avez collé les deux ailes du haut, vous procédez de la même manière avec les deux ailes du bas. Hop, et on appuie encore très très fort en comptant jusqu'à 10. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, notre joli papillon est presque terminé. Il lui manque maintenant ses ailes. Alors pour ça, on va prendre notre dernier morceau de papier toilette. On va couper les extrémités et on va enrouler. On va enrouler la seconde. Voilà. Donc lorsque vous avez réalisé les deux ailes, il ne vous reste plus qu'à les coller. Une de l'autre côté. Les enfants, on compte encore jusqu'à 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, voilà. Voilà notre joli papillon. Est-ce que ça va tenir? Oui. Voilà, je vous le pose sur la feuille. Je vous conseille de laisser sécher un petit peu, afin que la colle tienne bien. Et lorsque c'est sec, vous pouvez décorer votre petit papillon. Moi, je n'avais pas de peinture, malheureusement. Donc, j'ai pris des feutres et puis je fais des petits motifs sympas. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et puis, bah, amusez-vous bien. Prenez soin de vous.